Affaire sensible, la fiction, l'affaire Troidec, une série en 6 épisodes inspirée d'un fait divers bien réel, écrite par François Luciani, réalisation Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. Aujourd'hui, premier épisode de cette histoire tragique, la disparition de la famille Troidec en février 2017. Tout au long de la semaine, ces 6 épisodes vous raconteront l'histoire de ce fait divers, qualifié de hors norme par le procureur de la République de Nantes. Ainsi, 4 personnes disparaissent à Orvault, en Loire-Atlantique. La mère et le père, le fils et la fille. Une famille comme les autres, dans un pavillon ordinaire d'une petite ville tranquille que rien de prédestiné à une mort sanglante. Il y a là le père, Pascal Troidec, 49 ans, employé dans une entreprise du pays nantais où la famille s'est installée 10 ans auparavant. La mère, Brigitte, 50 ans, brestoise d'origine, comme son mari, elle travaille au centre des impôts de Nantes. Et leurs enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, étudiants. Une vie paisible en apparence, et un pavillon avec jardin dans le quartier du Petit Chantilly, à Orvault, tout près de Nantes. Voilà pour la famille nucléaire des Troidec. La famille collatérale, elle, vit en Bretagne, dans le Finistère. Alors, pour combler la distance, la sœur de Brigitte l'appelle très régulièrement. Mais un matin, le 16 février 2017, celle-ci ne répond plus, son téléphone est éteint. Bon, c'est les vacances, Sébastien et Charlotte sont chez leurs parents. Peut-être leur mère souhaite-t-elle profiter d'eux au calme, tout bêtement. Mais le lundi 20 février, les Troidec ne se rendent pas au travail, malgré les appels répétés de leurs employeurs. Et ils ne répondent toujours pas à la sœur de Brigitte, qui finit par appeler la police, parce qu'elle sent bien que quelque chose ne va pas. L'enquête est lancée, la presse s'empare du mystère, l'affaire devient hyper médiatisée, elle va fasciner la France, déconcerter les enquêteurs. Doutes, fausses pistes, soupçons, mystères, ferme à l'abandon, famille qui se déchire, lingots d'or. Retour sur cette histoire saisissante avec ce premier épisode intitulé « Mamie René ». Notre invitée aujourd'hui, la journaliste Corinne Audouin, qui a suivi le procès pour France Inter en juin 2021. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 19 mai 2017. 14h30. Église Saint-Ouardon de Landerneau, Finistère. Charlotte, 18 ans à peine. Tu étais à l'aube de ta vie. Tu n'avais pas d'autre chemin que celui du bonheur. Sébastien, 20 ans. Tu étais courageux, taquin, joueur et gourmand, prêt à dévorer l'avenir. Pascal, Brigitte, vous formiez une famille unie et aimante. Espérance, colère, faiblesse, tristesse, c'est cela que nous portons aujourd'hui. Si la colère te fait crier justice pour tous, selon Saint Jean, tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter avec les opprimés. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. L'affaire Troidec. Une série de François Luciani. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossir. Premier épisode. Mamie Renée. 3 ans plus tôt, 5 juillet 2014. Maison de René Troidec. Guy Pava, Finistère. Arrêtez, arrêtez! Vous allez me faire trop mal! Maman, elle a fait un malaise!
Tu vois ce que t'as fait? T'es content? Tu veux tuer ma mère, c'est ça? Ah, tais-toi! Tu devrais avoir honte de nous traiter comme ça! Pascal, tu perds la foi. Denis, ça va aller? Oh, foutez-moi la paix! Fichez le camp de chez moi, rentrez chez vous! Je suis fatigué, moi. Fichez le camp, je vous dis! Bande de voleurs! Huit ans plus tôt, juin 2006, plage de Saint-Cava, Plouguerneau, Finistère. J'adore ce coin. C'est tellement beau. Tu aimes? C'est pas mal. Seulement pas mal. Par rapport à chez moi, c'est différent, quoi. Brest, c'est autre chose, hein. On est du même pays, toi et moi. C'est une chance, non? Si on veut. Tu crois pas? Bah, disons qu'on est des gens de la mer. Têtus. Et dur au mal, ça c'est bien vrai. Je peux te poser une question? Oui, ça dépend laquelle. Indiscrète. Vraiment? Oui. Donc? Pourquoi t'as choisi Hubert 4 Roses comme pseudo sur Mythique? Tu veux vraiment savoir? Oui. Ben, quand on offre un bouquet de roses, il faut toujours faire attention au nombre. Une rose rouge, ça veut dire coup de foudre. Deux roses rouges, c'est je t'aime. Trois roses, c'est est-ce que c'est réciproque? Et quatre roses? Quatre roses, c'est un message de confiance en l'avenir. Ah, vraiment? Ouais. Quatre roses signifie que rien ne se mettra jamais entre nous. C'est une manière de montrer l'engagement, la force des sentiments. Bah, c'est drôle, sur la photo, je te voyais pas comme ça, si romantique. Comme quoi, les apparences. Alors, qu'est-ce que tu caches? Moi? Bah ouais, qu'est-ce que tu dis pas? Je cherche l'exception, la perle rare. Et c'est quoi pour toi, la perle rare? C'est quelqu'un de simple, de gentil, avec... juste ce qu'il faut là où il faut. C'est-à-dire? Quelqu'un de désirable. Comme toi. Exactement comme toi. Comme moi. T'es sûr, hein? Ouais. J'en suis sûr. Alors comme ça, la perle rare, ce serait moi. Oui. Toi. Moi toute seule? Ouais. La perle rare pour la vie. Ouais, pour la vie. Et tu crois pas que tu vas un peu vite, là? Tu t'emballes, non? Pour la vie! Sans rire! Ouais. Pour la vie. Et Lydie, reviens, elle est gelée. Tu vas attraper la mort. Viens ici, si t'es un homme. Attends, Lydie. Juin 2006. Maison de Pierre et René Troadec, Guy Pava, Finistère. Où sont passées les 2500 tonnes d'or que la Banque de France gardait en septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre? Qu'est-il arrivé au deuxième stock d'or du monde, après celui des États-Unis d'Amérique? Comment cette énorme quantité de pièces et de lingots a-t-elle disparu? C'est cette aventure unique que nous allons vous raconter, pendant laquelle les hommes ordinaires ont vécu une épopée extraordinaire. Cette histoire d'or, moi, je la connais. Tout le monde sait qu'il y en a un bon paquet paumé dans la rade de Brest. Oh là là. Oh, n'importe quoi. Oh, si je te dis que c'est vrai. Tu l'as déjà vu, toi, cet or? Non, tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas perdu pour tout le monde, ça, j'en suis sûr. Mais tu ne manges pas? Tu as tout laissé, là. Mais j'ai pas très faim. Tu n'aimes pas? C'est pas ça. Mais je sais pas, j'ai toujours une envie de vomir. Là. C'est la télé qui te fait cet effet-là? Peut-être bien que oui, justement. Tu en as parlé au docteur? Je le ferai la prochaine fois que j'irai. Tu sais les dernières nouvelles? Non. Lydie, elle a rencontré quelqu'un. Ah, et alors? Bah écoute, ça a l'air sérieux. Elle voudrait nous le présenter. Rien que ça.
Trois mois plus tard, septembre 2006. Maison de René et Pierre Troadec. Guy Pava, Finistère. Papa, je te présente Hubert. Eh bien, bonjour Hubert, enchanté. Bonjour, bonjour. Hubert, je te présente ma mère, René. Ravie de faire votre connaissance, Hubert. Lydie m'a tellement parlé de vous. Et puis Pascal, mon frère, et Brigitte, son épouse. Salut. Bonjour Hubert. Donc moi c'est Brigitte. Bonjour, je suis content de vous connaître. Eh bien, ne restez pas là comme des bûches. Faites de la peine à voir. Allez, venez, on va passer à table. Je vous ai préparé un canard confit à l'orange. Vous m'en direz des nouvelles. Tu vas voir, maman adore faire la cuisine, tu vas te régaler. Mamie Renée est un véritable cordon bleu. Hein. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Pas vrai, mamie? Oh, Pierre, s'il te plaît, arrête de m'appeler comme ça. Ça ne se fait pas devant un invité. Non, mais vous inquiétez pas pour moi, vous savez. Je sais ce que c'est, la famille. Ah, la famille. C'est sacré chez nous. C'est sacré, eh oui, la famille, n'est-ce pas, mamie? Ah, tais-toi, tu m'énerves, tiens. Oui. Bon, assieds-toi, plutôt que de dire des âneries. Oui. Et vous aussi, Hubert? Je me mets où? Là, bien sûr, à côté de Lydie. Les autres, asseyez-vous où vous voulez. Alors, comme ça, vous travaillez à l'Arsenal? Oui, je suis technicien en chaudronnerie à la DCNS, à Brest. C'est quoi la DCNS? La Direction de la Construction Navale. Avant, ça s'appelait la DCN, et puis ils ont changé de nom. Mmh. Ah. Oui, c'est la DCNS, c'est le maître d'œuvre. On conçoit les navires armés et les systèmes de combat. Mmh. Ça consiste en quoi, ton job? Les techniques de fonte pour les navires. Ouais, mmh. Carrément. Mmh. Bien, nous voilà bien protégés. Des navires de guerre, rien que pour nous. Mmh. Oh, ben, dis-nous, avec ça, on n'a rien à craindre. Hein. Franchement, avec vous, Hubert, on peut dire que on est en sécurité. Ça, c'est du lourd. Hein. Oh, Pierre, tais-toi, tu m'énerves. Écoute ce que dit Hubert au lieu de radoter. Qu'est-ce que vous disiez, Hubert? Non, mais rien de très intéressant. Mais au contraire, c'est passionnant. Je peux me permettre une petite question? Oui, bien sûr. Votre travail, c'est bien payé? Oh, maman, non, arrête, je t'en prie, t'exagères. Mais alors, mais non, mais qu'est-ce que ça peut faire? On est en famille, oui ou non? Bah écoutez, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. Mmh. Et c'est pas trop stressant? Si, parfois, oui. Certains jours. C'est pas comme Pascal, hein. Lui, avec son job, on peut pas dire qu'il soit stressé. Et qu'est-ce que t'en sais? Ce que je fais, ça t'intéresse pas, alors? Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu fais? Moi? Pas grand-chose. Je suis artisan. Ah oui? Dans quoi? Électricien. Je travaille dans les enseignes lumineuses. D'accord. Pourtant, à l'école, c'était pas ce qu'on appelle une lumière. C'est pas trop dur par les temps qui courent? On n'arrête pas. Ça se passe bien. Oh, c'est sûrement pas aussi bien payé qu'à l'Arsenal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Hubert? Moi, rien. L'argent, vous savez. Oh, il n'y a pas que l'argent dans la vie, n'est-ce pas, mamie? Oui, ça, c'est bien vrai. L'argent ne fait pas le bonheur, comme on dit. Oui, mais il y contribue. Il ne faut jamais oublier ça. L'argent contribue au bonheur. Vous êtes d'accord avec moi, Hubert? Oui, oui, oui. Bien sûr. De ce côté-là, nous, on n'a pas à se plaindre. On a plutôt bien réussi. Bah, il faut dire que papa a toujours bossé comme un forcené. Hein. Mais moi, qu'est-ce que tu crois? Instit, tu crois que c'est tout repos? Bah, 30 élèves par classe et tout le reste. Ouais, mais vous avez les vacances. Ah, nous y voilà, les vacances. Ben voyons. Les fameuses vacances des instits. Ah ben, Mais qu'est-ce que tu crois qu'on fait pendant les vacances? T'es en vacances, point barre. Pas du tout, on bosse, oui, on prépare les cours pour la rentrée. Ben voyons. Et c'est qui s'occupait de toi et de ta sœur pendant que ton père faisait ses chantiers? Tu m'énerves, tiens. Ah, René, pas la peine de le prendre comme ça, vous voyez pas qu'il le fait exprès. Oui, la mémoire courte, tout de même. Oh, je te taquine, et toi, tu montes tout de suite sur tes grands chevaux. Ben, résultat, on va passer pour des sauvages. Hubert. Ne faites pas attention à ce qu'il dit, ça vaudra mieux. Non, mais vous inquiétez pas, c'est déjà oublié. Et vous, Pierre, vous êtes dans le bâtiment? Plâtrier, oui. D'accord. Mais j'ai pris ma retraite. Enfin, après toutes ces années, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et maintenant? Ah, je vends des légumes sur des marchés, c'est moins fatigant. Ah oui, vraiment? Franchement, oui. Même s'il faut se lever tôt le matin, au moins,
on ne respire pas la poussière de ciment, voilà. Lydie, tu viens m'aider? On sera pas trop de deux pour sortir la viande du four. Oui. Hubert, tu reviens un peu demain? Oui, je le garde. Franchement, il est charmant. On peut dire que tu as tiré le bon numéro, hein? Ah, tu crois? Et c'est délicat avec ça. Oh, tu peux être contente. Tu sais qu'il m'offre des roses aussi? Bah, dis donc. Tu en as de la chance, hein? C'est pas ton père qui ferait ça. Et en plus, il a une bonne situation et il a l'air costaud. Ça pourrait être costaud, Hubert, il est costaud. Bah, tant mieux. Mieux vaut ça qu'une mauviette, hein, comme ton frère. Oh, maman, arrête, s'il te plaît. Bon, alors, tiens, prends ça. Attention, c'est chaud. C'est chaud. Attention. Faites de la place. J'enlève le verre en Voilà le canard. Hubert, vous savez découper le canard? Oui, plus ou moins. Eh bien alors, allez-y. Non mais Franck, allez-y, puisqu'elle vous le dit, elle n'a jamais été capable de le faire correctement. Moi non plus d'ailleurs. Dans ce cas, je viens essayer. Puis de toute façon, maintenant, vous faites partie de la famille. Allez, top, c'est comme ça. Bon, puisque vous insistez. Alors, vous coupez, je serre. Qui veut la cuisse? Moi. Allez. Un petit verre de rouge, c'est des côtes rouennaises ou du camel. Juste une goutte alors. Ben voilà. Et puis à votre santé, Hubert. À votre santé. Et à la santé de toute la famille Troadec. À sa santé, papa. Et à votre santé, les enfants. Santé. Comment tu les trouves? Vraiment sympa. Ta mère, adorable. Et papa? C'est un sacré bout en train. On voit que c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, sans jamais s'arrêter pour nourrir sa famille. C'est digne de respect. Il fait mine de rien, mais tu sais, depuis 2 ans, il est suivi pour un cancer du poumon. Ah. Avec tout le ciment qu'il a respiré. Il n'en parle à personne. C'est vraiment quelqu'un de courageux. Ouais. Et il nous aime plus que tout. Je suis si heureuse pour Lydie. Oh, si tu savais. Avec ce garçon, Hubert. Elle a vraiment trouvé chaussure à son pied. Ils ont l'air si bien, tous les deux. Ils vont nous faire de beaux petits enfants, tu verras. Peut-être. Ah, comment ça, peut-être? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Si je suis encore là pour le voir. Pierre, tu ne vas pas recommencer. Mais tu sais, le Toubib, il a dit... Il a dit quoi, le Toubib? Tu sais que tu radotes. Tu n'en sais rien, personne n'en sait rien. Alors pourquoi tu continues à dire des bêtises? C'est juste pour me faire de la peine. Cette fois, je crois que c'est vrai. Les analyses sont pas terribles. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu es médecin, toi, maintenant? Tu sais soigner le cancer? Non. Alors tais-toi. Et laisse-moi dormir. Et... Bon, allez, bonne nuit. Fais de beaux rêves pour une fois. Allô? Oui? Ne quittez pas, hein? Pierre, c'est pour toi! Tu vois pas que je suis occupée, là? Bah, c'est Geneviève, elle a un problème de robinet, la recouvrance. Elle peut pas attendre 5 minutes, oui? Il arrive, Geneviève, il arrive. Non, mais le haut-parleur, j'entends rien. Alors, vous auriez une fuite, à ce qui paraît? Ben oui, ça coule depuis la cave, le long du mur, et il y en a partout maintenant.
pouvez passer quand pour voir ça? Disons que... Je... Oh, c'est que ça coule. Oui, oui. Aujourd'hui, 14h, ça ira? Oh, bon, ben... Ouais, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Hein. Merci, Monsieur Troidec. C'est normal, Geneviève. Allez, pas de quoi. Je vais aller faire un tour. Ça doit pas être bien grave. Alors, Geneviève, vous nous faites des cachotteries, hein? Ah, vous m'aviez pas dit. Oh, le jackpot! C'est chez vous qu'ils ont planqué l'or de la rade de Brest, hein? Oh. Mais qu'est-ce que vous dites? Le trésor de la Banque de France, ça ne vous dit rien? Et j'allais vous croire en plus. Mais 5 francs anciens. Et c'est ça qui bouchait? Une malheureuse pièce de 5 francs? Oh, c'est la meilleure. Eh oui, le début de la fortune. Oh, tu parles. Rien que des tuyaux percés. Allez. Au revoir, Geneviève. Vous avez combien pour le déplacement? Oh, ben, vous me laissez 2 lingots d'or, ça devrait suffire. Oh, oui, bien sûr. Allez, au revoir, au merci. Au revoir. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'es passé sous un bus. C'était pas simple chez Geneviève. Un de ces bazars, mais je te dis pas. Ah bon? Oui, mais j'ai trouvé de l'or. Ah bon? Oui, sonnant et trébuchant, les 50 kilos d'or de la Banque de France, tu te rends compte? Et il est où cet or? Je l'ai planqué. Où? Mais dans le grenier. Ah, oh, tu te fiches de moi. Oh, je l'ai planqué, je te dis, et il faut que personne le sache. Hein. Personne, tu m'entends? J'espère que tu me racontes pas encore des bobards. Mais si je te le dis, enfin quand même. Bah, tu veux pas manger? Mais je suis crevé, je vais me coucher. Je mangerai mieux demain, quand on sera riche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Compte là-dessus. Novembre 2009. Domicile de Hubert Caouissin et Lydie Troadec, Plouguerneau, Finistère. Maman? Urgence. Attends, j'arrive, maman. Oh, je crois que c'est plus la peine. Maman? Maman? Allô, maman? Décembre 2009. Église de Guipava, Finistère. Pierre a lutté de toutes ses forces, jusqu'au dernier souffle. Il a droit maintenant, après toutes ses souffrances, à la vie éternelle. Partir comme ça, si vite. Oh, quelle saloperie. On peut dire que c'est vraiment une saloperie, la vie. Une saloperie. T'inquiète pas, maman. On est là. On sera toujours là avec toi, tout près. 40 ans. 40 ans, mais c'est toute une vie. C'était un sacré bonhomme, ton père, tu sais. C'était mon homme. Mon soleil. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Toute seule, sans lui? Mais tu sais, pour nous aussi, c'est dur, hein. Papa, il va nous manquer, tu sais. Il est petit, t'y as pensé? Et oui, oui, c'est... C'est dur pour eux aussi. Tout est si dur maintenant. Allez, viens. C'est pas la peine de rester là, tu vas prendre froid. Et tu viens, je te raccompagne. Je vais rentrer avec Hubert, ça fait moins de chemin. Je la ramène, Pascal. T'inquiète. Comme vous voudrez. Au revoir, maman. À demain. Au revoir, mon petit. J'espère qu'elle va tenir le coup. Mais oui, elle est quand même solide. Mamie Renée. Espérons. Voilà, maman. Repose-toi.
toi, va. Tu l'as bien mérité, hein, avec tout ça. Vous prendrez bien un café, tout de même. C'est-à-dire que nous, on va devoir y aller, René. Il faut que je retourne travailler, moi. Oh, vous avez bien 5 minutes. Un jour comme aujourd'hui. Bon, Hubert, on n'est pas si pressé, peut-être. Oui, 5 minutes, alors, d'accord. Vas-y, tu sais, ton père, avant de partir, il m'avait dit un secret. Un secret? Oui, un grand secret. Ah bon? Mais c'est quoi, ce secret? Un secret. Il m'avait dit de le dire à personne. Ben, c'est normal. Si c'est un secret, on le dit à personne. Sinon, ce serait plus un secret. Non? Bon, maintenant qu'il est au ciel, je peux bien vous le dire. Bon, alors, c'est quoi, ce fameux secret? Bon, tu te souviens, ton père, quand il disait... Moi aussi, j'ai trouvé de l'or, un sacré paquet d'or. Tout le monde croyait que c'était des blagues. Ah oui, et alors? Ben, c'était pas des blagues. Ton père, il a bien trouvé de l'or, à la recouvrance, en réparant une fuite chez Geneviève. Un gros paquet. 50 kilos. Enfin, d'après ce qu'il m'a dit. Ben, y a qu'à aller jeter un œil. Hein. On verra bien si c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Hubert? Ben oui, ça me paraît simple. Sauf que l'or, il n'y est plus. Comment ça? Mais il serait où, l'or, alors? Devine. Écoute, maman, tu veux bien arrêter avec les devinettes, là, s'il te plaît? Franchement, c'est pas le jour, hein. L'or, il est dans la poche de Pascal, ton frère. Oh, non, c'est pas possible, je te crois pas. Crois ce que tu veux. Mais enfin, c'est impossible. Non, mais laisse-la parler, Lydie, s'il te plaît. Bon, tu te souviens quand j'étais malade? Après mon opération? Oui. J'étais à l'hôpital. Oui. Ton frère? Oui. Il est venu me voir pour me demander les clés de la maison. Il voulait prendre une caisse à outils pour bricoler. Oui, et alors? Ben, il m'a rendu les clés le soir même. C'est ce jour-là qu'il a volé l'or. Et Pascal savait où était la planque? Oui, oui. Son père lui avait dit. Et à sa mort, il s'est servi, c'est ça? Oui. Quel salaud! Ah, mais je comprends maintenant pourquoi il va changer de voiture. Et elle aussi. Sans compter les voyages... Les belles chemises et le reste. Non, mais c'est pas avec son salaire minable qu'il peut se payer tout ça, hein. C'est sûr, ça. Bah, y a qu'à aller le voir et lui demander de rendre ce qu'il a pris, c'est tout. Il ne voudra jamais. On peut toujours essayer. Cet or, il est à moi. À moi et à personne d'autre. C'est mon mari qui me l'a laissé. J'en veux la moitié. Janvier 2010. CHU de Brest. Service de radiologie. Tu tiens le coup? J'essaye. Et Hubert, qu'est-ce qu'il en dit? Oh bah. Hubert, il est adorable. Toujours prêt à rendre service. Et le traitement? Bah, disons que ça va. Les analyses sont pas trop mauvaises. Tant mieux, tant mieux. Un cancer du sein, franchement. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Comme si on avait besoin de ça. Hein. Déjà avec ton père? Bah, c'est surtout pour Gaël, hein. Je voudrais pas partir et le laisser tout seul sans sa mère. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Voyons, Lydie. Et puis Hubert, il aurait voulu un deuxième enfant, et puis ce sera pas possible. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ton fils Gaël, ça ne te suffit pas? Il est si beau, ce petit. Oui. Oui, t'as raison, maman. Bon, c'est vrai que tout ça est tellement injuste. Ah oui, c'est très injuste. Quand tu penses que ton frère, pendant ce temps-là, il se goberge avec notre argent aux quatre coins du monde, là. Mais ça, je veux même pas y penser, maman. À suivre. L'affaire Troadec. Une série de François Luciani. Premier épisode. Avec Pierre-Marie Baudouin, Anne Contino, Françoise Lebrun,
Cédric Révolon, Elsa Bouchain, Laurent Claret, Régis Romélé, Mauricette Gourdon. Et les voix de Jade Labeste, Sylvain de Guillaume. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Cédric Ossir. Douin qui a suivi l'affaire Troadec pour France Inter. Bonjour Corinne. Bonjour Fabrice. Alors on va commencer par la fin, c'est-à-dire le jugement en 2021 et remonter cette histoire jusqu'en 2017. C'est ce que nous proposons dans notre série de fiction cette semaine. Donc le 7 juillet dernier, la cour d'assises de la Loire-Atlantique a condamné Hubert Caouissin à 30 ans de prison pour le quadruple meurtre de la famille Troadec. L'accusé a été reconnu coupable des 4 meurtres et d'atteinte à l'intégrité de cadavres. Alors j'imagine que, vu l'ampleur des crimes, personne n'a été surpris par ce verdict. Certes, c'est pas une perpétuité. Enfin, c'est 30 ans, donc ça dépend à quel âge on prend 30 ans. Quand on prend 50 ans, c'est quasi une perpétuité. Absolument. Alors, ce qui est important de dire, c'est que l'accusation avait demandé perpétuité face à l'horreur des crimes. Effectivement, il tue toute une famille, les quatre, et il les anéantit. Il y a vraiment cet anéantissement, le fait de les découper en tout petits morceaux, de les brûler, de les disperser. Enfin, ça dépasse l'imagination. Mais il écope, entre guillemets, seulement de 30 ans de prison, en tout cas, de réclusion. Il échappe à la perpétuité parce que l'altération de son discernement est reconnue. Et ça, c'est très important en droit, en France, quand on reconnaît que vous êtes en partie fou, pour le dire de manière très grossière, eh bien vous n'êtes pas responsable à 100%, donc votre peine doit être un petit peu diminuée. C'est pour cette raison-là qu'il a pris 30 ans de réclusion. Alors, puisqu'on est parti sur cette raison-là, c'est intéressant, le débat des experts, autour des experts, a dû être nourri, parce que c'est quand même important, si le discernement est total, la peine est plus longue. Absolument, et en même temps, le discernement n'est pas aboli. Vous savez que dans ce cas-là, si on dit que vous êtes totalement fou, vous n'êtes pas jugé du tout. Bien sûr. Hein, vous êtes acquitté et vous allez éventuellement à l'hôpital psychiatrique. Donc c'est toute la difficulté avec un Hubert Caouissin qui est un homme, j'ai envie de dire en apparence normal, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais parfois les criminels peuvent ressembler à leurs crimes, parfois ils ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde. Et lui dans le box, Hubert Caouissin, il a une cinquantaine d'années, un petit peu dégarni, propre sur lui, petite chemisette, petit polo, il parle très calmement, très posément, c'est un ingénieur, il a travaillé à l'arsenal de Brest, c'est quelqu'un d'intelligent, de méticuleux, qui a beaucoup de vocabulaire, donc il a ce côté très posé. Et en même temps, sa folie, cette forme de folie qui est un délire paranoïaque, elle est vraiment frappante. C'est-à-dire que vous l'entendez, à la manière dont il explique justement les choses, ce détail méticuleux, cette obsession, cette façon de revenir à ce mobile, hein, qui est le mobile du crime, qui est l'or, l'or supposé des Troadec, l'or dont il aurait été spolié, dont sa compagne Lydie aurait été spoliée, tout ça va nourrir son obsession paranoïaque. Et c'est vraiment cette fixation qu'il fait sur la façon dont il est persuadé d'avoir été spolié qui va faire qu'il va aller ce jour-là à Orvault chez les Troadec. Et lui dit qu'il tue, qu'il n'avait pas l'intention de tuer, mais qu'il se sent menacé. Alors voilà, c'est un discours un peu délirant. Quelqu'un qui tue quatre personnes avec un pied de biche, on ne sait pas vient avec quoi, parce qu'on n'a pas retrouvé l'arme du crime, qui les découpe en petits morceaux et qui dit « mais je n'ai fait que me défendre ». Et pourtant, les experts psychiatres vous disent « ben oui, mais c'est cohérent dans son délire. » Dans son logiciel délire, à lui, quoi. Voilà, ouais. Le délire paranoïaque n'a pas vraiment été remis en cause. Enfin, en tout cas, elle a été très fortement constatée par les experts psychiatres et psychologues. Alors, dans cette histoire, est-il le seul responsable? Alors, coupable, oui, mais responsable, quid de sa femme, Lydie? Et puis, il y a la belle-mère, Mamie Renée, mais Lydie d'abord. Alors, Lydie, elle comparaît avec lui au tribunal, c'est quand même important de le dire, mais elle n'est pas poursuivie pour des faits criminels. Elle est poursuivie pour des faits délictuels, de non-dénonciation de crime et recel de cadavres. Puisqu'elle est au courant, c'est-à-dire que le soir des meurtres, Hubert revient à la maison, donc vous l'avez dit, ça se passe entre le Finistère et Nantes, et quand il rentre dans le Finistère, donc à la ferme du Stank, cette fameuse ferme de Pont-de-Buis, Hubert dit à Lydie, j'ai fait une connerie. Je les ai tous tués, donc elle est complètement sidérée, mais elle ne va pas prévenir la police et elle va l'aider. Elle va l'aider non pas à découper les corps, elle dit qu'elle n'y a pas touché, mais elle va l'emmener en voiture sur les lieux parce qu'ils y retournent trois nuits d'affilée pour nettoyer, parce qu'il y a du sang partout, pour ramener les corps, pour aller emmener la voiture de Sébastien à Saint-Nazaire. Enfin, c'est toute une organisation complètement dingue. Donc elle est complicité. Voilà, elle est poursuivie, mais c'est pas une complicité du crime, c'est important. Mm-hmm. Et elle a quelque chose d'assez insaisissable, Lydie Troadec.
avec à la barre, quand elle est là, elle est, on a l'impression que c'est un bouchon un petit peu qui flotte au gré de l'eau. Elle est toujours un peu de l'avis du dernier qui a parlé, donc elle dit, non, mais moi j'ai suivi Hubert, Laure c'est Hubert qui y croyait, moi je savais pas trop, donc elle essaye un petit peu comme ça de, peut-être de minimiser sa responsabilité, c'est humain, elle est au tribunal, voilà. Et en même temps, vous avez la présidente qui a ressorti ses carnets intimes, qui sont d'une dureté, d'une méchanceté envers sa belle-sœur et son beau-frère. Ils tenaient des dossiers tous les deux dans leur ordinateur sur donc Pascal et Brigitte, qu'ils appelaient respectivement la crapule et la grosse dondon. Et chacun se renvoyant la responsabilité. Hein. Hubert dit c'est elle qui les appelait comme ça. Lydie dit pas du tout, c'est pas moi. Mais bon, visiblement, elle pouvait vraiment pas les saquer, mais c'est pas pour autant qu'ils voulaient qu'ils meurent tous. Mais il y a quand même, en fait, ce qu'ont expliqué les experts, c'est que ils ont tous les deux fait ce qu'on appelle un délire à deux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est l'instigateur, qui est Hubert, avec cette paranoïa très forte, cette personnalité perturbée, il fait une grosse dépression, il est en burn-out, il a l'impression que la terre entière lui en veut. Ça se nourrit avec cette fiction de l'or dont il aurait été spolié. Il y a cette folie-là, et elle nourrit cette folie-là, elle y prend part, parce qu'elle a des reproches à faire à son frère, à tout le monde, à la terre entière, elle va pas très bien non plus. Donc il y a vraiment quelque chose qui se goupille entre deux, c'est vraiment deux êtres un peu seuls, un peu qui avec des failles qui vont se compléter l'un l'autre, et c'est vraiment dans cette espèce de cellule un peu bizarre avec qui est complétée avec leur fils qui vit avec eux, que cette idée-là va prendre forme. Ils sont vraiment en huis clos, ils sont presque une secte tous les trois, hein. Hubert, Lydie et leur fils, à un moment ils sont complètement reclus dans la ferme, le gamin ne va plus à l'école, et c'est là-dedans que naît un petit peu les origines, en tout cas, de ce crime. Et la belle-mère, si vous voulez en parler, Mamie Renée, c'est complètement fascinant, Mamie Renée, mais ils ont parlé dans la fiction, parce que Mamie Renée, elle n'est pas renvoyée devant le tribunal, mais c'est vrai que elle est revenue très souvent au long des débats, parce que Mamie Renée, c'est la première qui dit du mal de son fils, qui dit que Pascal a trop d'argent et que c'est quand même bizarre, qu'elle comprend pas bien pourquoi, qui se pose des questions, qui instille, elle aussi, quelque chose dans l'esprit d'Hubert. Elle aurait parlé à un moment d'or possiblement trouvé par son mari dans l'immeuble qu'il possédait à Brest à Recouvrance. C'est elle qui parle de cet or, mais alors c'est pas très clair, elle parle de pièces, elle parle de lingots... Et Hubert, dans son délire paranoïaque, il fait son miel de tout ça, en fait. La moindre bribe d'information que vous lui donnez, c'est comme la théorie du complot, il prend ça, et avec ça, il fabrique quelque chose. Ils y croient, cette histoire de la mais alors, ils y croient, mais complètement. C'est ça qui est un peu fou, c'est que... Alors Hubert, dans son délire paranoïaque, on nous dit il y croira sans doute jusqu'à la fin de ses jours. Il peut pas ne plus y croire, parce que c'est tout son système, toute son organisation, quelque part, qui s'effondre. Lydie Troadec, au procès, elle a dit... Non, j'y crois plus, parce que maintenant les médias, ils ont dit que c'était pas vrai. Donc on lui dit d'accord, mais vous y croyez ou pas? Enfin, c'est pas trop. Voilà, elle suit le mouvement. Et Renée, Mamie Renée, elle s'est montée le bourrichon avec Hubert, avec tout le monde. Et elle y croit. C'est pas très clair non plus. En tout cas, cette femme qui a été entendue au procès, mais en visioconférence, qui est aujourd'hui assez âgée, cette femme, elle a refusé de payer pour les obsèques de ses petits enfants. Elle ne s'est pas rendue à leurs obsèques. Et quand on parle de Pascal, de son fils, de tout ce qui s'est passé, elle dit c'est dommage. Voilà. Et ça va pas beaucoup plus loin. Et c'est vrai que c'est assez... Quel mot, quand même. Alors on n'est pas là non plus pour faire la morale, elle n'est pas poursuivie. Ouais. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'est noué au sein de cette famille. Le mot est dingue, dommage. Ah bah oui, c'est dommage. C'est triste. Dommage. C'est bien triste. Alors vous dites qu'il y a eu un moment dingue au procès. Caouissin raconte qu'il a parlé avec les cadavres pour leur demander pardon et que Brigitte, la mère... Il aurait répondu. Oui, c'est un de ces moments où vous voyez. Alors en même temps, il est tout à fait conscient que c'est dingue. Hein, donc il le raconte. En fait, il a une manière de parler à ce procès qui est assez éprouvante pour nous les journalistes, parce qu'il est extrêmement détaillé. C'est un homme qui, quand on lui pose des questions, il répond. Donc on lui demande comment ça s'est passé, comment vous avez tué Pascal, Brigitte, Sébastien, Charlotte. Donc, et Charlotte, il raconte d'abord Sébastien, d'abord... voilà, il raconte les uns après les autres comment il met le pied de biche dans la tête de Sébastien, qu'il est obligé de prendre appui pour l'enlever. Enfin, des choses mais épouvantables. Personne ne lui demande, il est le seul témoin, puisqu'ils sont tous morts. Et sur quel ton? Alors sur un ton assez clinique, assez... Alors c'est pas non plus...
C'est pas quelqu'un qui jouit de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la perversion, dans quelqu'un qui se délecte de raconter des horreurs. Mais on lui demande de raconter, il raconte. Et comme il a une mémoire quasiment photographique, il raconte absolument tout. Et il ne se dit pas que pour sa défense, il ne devrait pas raconter autant de choses. Mmh. Et c'est là que vous voyez le côté obsessionnel, maniaque, qui dit non, je suis arrivé à 22h, pas à 21h59. Enfin, vous voyez, tout est très très précis. Et il raconte de la même manière, la manière dont il a découpé les corps, dont il les a réduits en cendres, puisque c'est ça finalement, il n'en reste que de la poussière. Et il raconte ce moment incroyable où il revient, puisque donc les meurtres ont lieu dans la nuit du 17 février. Il rentre à Pont-de-Buis, il dit à Lydie, j'ai fait une connerie. Ils y retournent le lendemain et c'est là qu'il revoit les cadavres. Ils ont changé de couleur. Il dit, je m'y attendais pas. Et il raconte tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de filtre. Et il dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'en débarrasse, hein, faut que j'arrive à les mettre dans la voiture. Mais Brigitte, elle pèse un certain poids, elle n'y arrive pas. Et donc, il est désespéré, il ne sait plus comment faire. Et il lui parle, en fait. Il lui parle, il dit, je lui parle, je lui demande de m'aider, puis je lui demande pardon. Et il dit, elle me répond. Alors, la présidente dit, comment ça, elle vous répond? Il dit, bah oui, j'ai l'impression qu'elle me répond. Je lui dis qu'ils m'ont attaqué. Et elle répond, mais on défendait notre famille. Enfin, voilà, il raconte ça. Et en même temps, je pense qu'il est tout à fait conscient que c'est possiblement des hallucinations. Hein. Ou ça, il y a un dialogue intérieur. Il y croit pas dur comme fer. C'est-à-dire que la présidente lui dit, mais c'est des hallucinations. Il dit, peut-être, voilà. Mais il dit tout. Il dit tout, sans filtre. Et c'est parfois assez éprouvant. Je me souviens très bien de la sensation dans cette salle de la cour d'assises de Nantes, qui est un tribunal très particulier. C'est le tribunal de Jean Nouvel, qui est tout noir. Et rouge. Mmh. Donc les salles, les murs sont rouges, vous avez aucune lumière extérieure, vous êtes un petit peu oppressé, et ça allait assez bien avec l'ambiance de ce procès. Et vous avez Hubert Caouissin qui raconte pendant des minutes et des minutes, des minutes, des longues minutes, qui raconte tout. Comment, voilà, comment il a fait, comment il les a découpés, comment il a dit, bah, le mouillé, on le met pas au feu, il écarte les viscères d'un côté, les os, ça va dans la chaudière. Enfin, c'est une espèce d'organisation, le couteau, très méticuleux. On sortait de là, j'avoue qu'on avait besoin de prendre l'air, pas mal. J'imagine. Mais qu'est-ce que c'est que ce couple, tous les deux, là? Oui, c'est deux un petit peu de abîmés, de déçus, ouais, de la vie. En apparence, lui, il a quand même bien réussi. Hein. C'est quelqu'un qui effectivement a travaillé à l'arsenal de Brest, qui avait un poste important sur l'île Longue, qui s'occupait des sous-marins nucléaires. Enfin, c'est un poste à responsabilité. Mais il a complètement craqué. Il a fait un burn-out en 2013 parce qu'il commence à entendre des bruits. Il ne supporte plus le bruit. Il est en dépression. Ça va pas du tout. Et elle, il y a aussi dans son histoire à elle, la maladie, elle a un cancer, il la soutient énormément, donc c'est un peu deux éclopés qui s'appuient l'un l'autre, quoi. C'est une relation qu'ils décrivent comme faite de beaucoup de complicité intellectuelle, ils rient beaucoup tous les deux, ils se sont trouvés, voilà, et ils se sont rencontrés sur Mythique. Alors c'était un procès émouvant également, Corinne, par un aspect, on a beaucoup parlé du fils du couple, qu'on appelait Gaël, nous, hein, à qui son père avait tout raconté, qu'il vivait en autarcie avec ses parents, dans la ferme du Stang, il a vécu comme dans une secte. Or, les choses dites sur lui à la barre étaient très touchantes, pleines d'espoir. On ne sait pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais sa présence et les questions autour de lui, ça devait être important. Absolument, ça a vraiment été une bouffée d'humanité, l'histoire de ce petit Gaël. Ce n'est pas son vrai nom, et aujourd'hui, c'est compliqué pour lui, puisque son père est en prison, sa mère était en liberté, a comparu libre au procès, mais elle n'avait pas le droit, évidemment, d'avoir sa garde, donc elle le voit de temps en temps, mais il est placé dans une institution, et ce qu'on nous a dit, c'est que ça se passait très bien pour lui, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à parler de ce qui s'est passé, à essayer de comprendre. Il faut savoir qu'il avait 8 ans au moment du procès. Ça, il dort 13 c'est maintenant. Très, très jeune, au moment du procès, il avait 13 ans. C'est quand même un petit garçon, mais alors visiblement d'une intelligence assez incroyable, qui a raconté vraiment le récit de ses auditions qui a été fait à la barre par la présidente du tribunal qui les a lues, était incroyable. C'est-à-dire, on avait un petit garçon qui disait, bah voilà, papa m'a expliqué, m'a demandé de regarder la télévision pour savoir ce qui se passait. Donc entre le moment où les corps, enfin où la famille disparaît, et le moment où on comprend que c'est Hubert Caouissin, son père lui demande, regarde BFM et dis-moi les avancées de l'enquête. Donc on se dit, mais c'est fou, quoi, de mettre ça sur le dos du gamin. Et à un moment, il vient lui dire, voilà, c'est papa qui a fait ça. C'est papa qui a fait ça. Le monstre dont tout le monde parle à la télé, c'est moi. Il se décharge en quelque sorte sur son fils. C'est complètement fou. Et tout ce qu'on avait à la barre de relation entre ce père et ce fils, c'est j'adore mon fils, j'adore mon fils. Et en même temps, il ne le protège absolument jamais. C'est comme si il n'y avait pas de filtre là non plus. Son fils, c'est comme lui, c'est comme son fils. Donc il...
Il veut qu'il soit intelligent, il est persuadé que son fils est persécuté à l'école, il est persuadé qu'on veut tuer son fils. Il y a vraiment comme un transfert de lui dans son fils, c'est la même chose. Ouais. Et le gamin, de manière assez miraculeuse, on ne sait pas comment, pourquoi, la résilience, comme on dit chez les enfants. Ou bien encadré. Tout ce qu'on dit, vraiment, les gens qui s'occupent de lui aujourd'hui disent que c'est un môme extraordinaire qui s'intéresse à l'histoire, qui fait du sport, qui s'interroge, qui comprend que ce qu'ont fait ses parents n'est pas bien, et en même temps qu'il peut aussi les aimer. Il a évidemment ce conflit de loyauté, mais qu'il est en train de résoudre et de comprendre. Et c'était vraiment très porteur d'espoir sur quelqu'un qui... un enfant qui grandit avec ça, mais qui réfléchit, qui s'interroge, et on l'espère qu'il va aller bien. Apparemment, il est bien pris en main, les gens qui l'entourent. Absolument. C'est les gens qui sont venus témoigner à la barre, et on a senti que c'était vraiment assez incroyable. Est-ce qu'il y avait l'ombre de l'affaire du pont de Ligonnès qui traînait, parce que les deux maisons sont distantes de 4 kilomètres? Je pense qu'une des raisons pour lesquelles cette affaire a pris une telle ampleur, c'est que on a une famille de 4 personnes qui disparaît, 2 parents, 2 enfants, pas très loin effectivement de la maison du pont de Ligonnès. Alors c'est 6 ans après, mais l'affaire du pont de Ligonnès, je pense que dans la mémoire de la police nantaise, elle est restée là. Et de la population, mais je pense aussi pour la police. Ils prennent ça au sérieux tout de suite, une famille de 4 personnes qui disparaissent, ils disent c'est pas possible, on va pas avoir une autre affaire du pont de Ligonnès, il faut qu'on aille tout de suite chercher où ils sont ces gens-là. On sait que dans l'affaire du pont de Ligonnès, on a peut-être perdu un petit peu de temps, à savoir, vraiment, ils sont peut-être partis en vacances, et pendant ce temps-là, Xavier Dupont de Ligonnès est parti Dieu sait où. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, vraiment de la part de la police, on se dit, oh là là, faut pas passer à côté de cette affaire. La presse, évidemment, se dit, c'est incroyable, c'est quoi ces familles qui disparaissent à Nantes? Il y a quelque chose qui prend comme ça. Après, très vite, l'histoire est très différente, et à partir du moment où on trouve quand même assez rapidement la piste d'Hubert Caouissin, parce que cette histoire de jalousie familiale, elle est connue de Mamie René, elle est connue de Lydie Troadec, elle est connue de Mamie René qui va les mettre aussi sur cette piste-là, elle est connue des sœurs de Brigitte qui vont dire mais il y a quand même cette histoire de jalousie, ils étaient tous brouillés dans la famille, donc on va aller assez vite sur la piste d'Hubert Caouissin. Et même s'il ne parle pas lors de la première garde à vue, il va assez vite commencer à raconter. Et juste un dernier détail, quand il parle en garde à vue, Hubert Caouissin, il parle 8 heures d'affilée sans s'arrêter. Vous imaginez ce que c'est? Il raconte tout, voilà. Et la même chose qu'il nous a fait à la barre, c'est-à-dire qu'à un moment, il dépose son fardeau et il raconte absolument tout, de A à Z. Cette histoire met en scène une même famille. Alors, ça rappelle, la comparaison s'arrête là, hein. Ça rappelle l'affaire Grégory ou d'autres affaires, où il y a des meurtres au sein d'une famille EDN recuite, qui donc c'est assez fascinant. Vous avez couvert beaucoup de procès en 10 ans de magistère au service police-justice de France Inter. Le procureur disait que cette affaire-là est une affaire hors norme. Je me fais un peu de hors norme, c'est un peu galvaudé, mais bon. Est-ce que pour vous, c'était une affaire hors norme aussi en tant que chronique judiciaire, ce procès-là? Oui, ne serait-ce que par la personnalité, encore une fois, de l'auteur, des faits qui n'a pas... qui n'a pas de passé criminel, c'était absolument, il avait un casier judiciaire absolument vierge, quelqu'un d'intégré, même si là il était en arrêt maladie, en burn-out, mais c'est quelqu'un qui a une famille, qui a un enfant, qui a une épouse, enfin voilà, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est hors norme parce que le délire paranoïaque, c'est quelque chose que vous pouvez lire dans la presse, on en parle beaucoup pour Vladimir Poutine par exemple ces temps-ci, vous dites tiens, le délire paranoïaque, qu'est-ce que c'est? Mais là vous le voyez en action. Mais oui. Et ça c'est quand même pas si courant de voir cet homme qui est en apparence tout à fait normal, qui a vraiment une grande intelligence, une immense mémoire, et qui vous explique donc au départ des choses qui paraissent à peu près sensées, que Mamie René lui a parlé de l'or, qu'il est persuadé qu'il y a eu la spoliation, et puis l'interrogatoire se poursuit, puis la présidente lui dit mais pourquoi vous alliez pas bien à ce moment-là? Il dit je dormais mal parce que je dormais chez Mamie René, mais Pascal avait piégé le lit. Il dit comment ça, a piégé le lit? Oui, il y a une pièce du lit qui était tombée. Et on lui dit c'est forcément Pascal. Et tout est comme ça. À un moment, Brigitte donne le chat à Lydie. Lydie essayait d'être enceinte. C'était pour lui donner la toxoplasmose. Vous voyez, il interprète tout. Mais il le dit de manière très posée. Et quand on lui dit, mais vous allez trop loin. Il dit, ah non, c'est des faits. Et là, et donc c'est une folie à bas bruit. Vous voyez, c'est pas une folie spectaculaire. Il voit pas des petits hommes verts. Mais c'est inébranlable. Il y a quelque chose chez cet homme-là. Et d'ailleurs, moi, je pense, j'en suis persuadée, qu'il va y croire jusqu'à la fin de ses jours. Que cet or a bien existé, qu'il a été obligé de les tuer parce qu'il s'est trouvé acculé quelque part, mais que cet or a existé. C'est quelque chose qui est ancré en lui. Les psychiatres ont dit qu'il n'est pas forcément dangereux parce qu'il faudrait qu'il fasse une nouvelle fixation paranoïaque sur quelqu'un d'autre. Il y a quand même assez peu de risques que ça arrive.
Mais en tout cas, cette paranoïa-là, c'est très très rare qu'on arrive à la guérir, c'est quasiment impossible. Comme quoi, les mystères de l'humain s'invitent souvent dans le prétoire. Merci, merci Corinne Audouin, merci infiniment. Suite de notre série demain, mercredi, avec les épisodes 2, intitulés Le gendre idéal et 3, Le mal-aimé. Puis jeudi, épisode 4, Jeu de piste, et épisode 5, L'horreur. Nous conclurons vendredi 27 mai avec l'épisode intitulé Le procès.